On en a tous entendu parler, peut-être même que toi, on t'a obligé à apprendre une de ces soi-disant fables à l'école. Laisse-moi te dire qu'en réalité, il s'agissait d'un gros plagiat. Ce forceur de La Fontaine, il n'a pas seulement pris une fable, trois fables, 10 fables qu'il a copiées, c'est des centaines de fables d'Ésope qu'il a carrément recopiées à l'identique et qu'il a servi comme ça à son public pour se faire un nom dans la littérature française. Du coup, permets-moi de te présenter le véritable auteur des fables que tu connais, Ésope. Alors, si tu as entendu parler des fables d'Ésope, on ne t'a pas forcément précisé qu'en fait, Ésope était africain. Et on ne parle pas d'un africain métis type éthiopien, non. On parle d'un africain type soudanais qui était décrit par ses contemporains avec un teint charbon, un nez très large, des lèvres épaisses et des cheveux crépus. Alors, Ésope est né et a grandi dans le royaume de Kémet, qui est situé dans le sud du continent africain. Et là encore, quand je parle du sud du continent africain, on parle de la version africaine de l'orientation du monde. Encore un autre mensonge appris à l'école qu'il me faudra défaire. Restez connectés à Afrique Résurrection. Ésope étant très intelligent et très avide de découvrir le monde, il part l'explorer, il quitte le royaume de Kémet vers l'Orient. Sauf qu'il est capturé pour devenir esclave. Je vous passe tous les détails parce qu'on n'a pas le temps en une seule chronique. Du coup, si vous voulez tout savoir des aventures juste extraordinaires d'Ésope, je vous recommande le livre de Lilian Thuram, Mes étoiles noires. On fait avance rapide, Ésope se retrouve en Grèce où il est toujours esclave, mais celui qui l'a acheté remarque son intelligence et surtout il remarque que c'est un conteur extraordinaire. La particularité de ses contes, c'est qu'il utilise des animaux dans l'attitude de certains êtres humains. C'est ce qu'on appelle une fable. Et ça, les Grecs ne connaissaient pas du tout. C'est une tradition orale typiquement africaine. Du coup, le maître d'Ésope finit par lui rendre sa liberté par rapport à son intelligence. Et il finit par réussir à vivre du fait de raconter des fables. En fait, pour l'époque, c'était l'équivalent d'une télévision. C'est-à-dire que les gens venaient de partout le voir pour se divertir. Ses histoires ont rencontré un tel succès qu'elles ont survécu à son décès pendant des siècles. Et c'est comme ça qu'au XVIIe siècle, Jean de La Fontaine naît, grandit et force. Un gros forceur. Le mec s'approprie des centaines de fables d'Ésope. Il change quelques détails par-ci par-là. Il garde les mêmes personnages, les mêmes scénarios, les mêmes conclusions. Et il signe Jean de La Fontaine. Et le système français, bien content de répéter décennie après décennie dans les écoles, que Jean de La Fontaine est un héros de la littérature française. Garde bien en tête que Ésope a vécu en moins 700 et que Jean de La Fontaine a vécu au XVIIe siècle. C'est-à-dire un écart de 2300 ans. Donc tu te doutes bien qu'à l'époque de Jean de La Fontaine où il n'y avait ni télévision ni internet pour pouvoir exposer le plagiat, eh ben toutes ces signatures de fables sont passées crème et on lui a accordé ce crédit alors qu'en réalité il n'a absolument rien créé. Gad Elmaleh aurait dû vivre au XVIIe siècle. Enfin bref, si tu connais les fables du corbeau et du renard, de la cigale et de la fourmi, du lion et du rat, tout ça n'appartient pas à Jean de La Fontaine mais à Ésope l'Africain. Donc s'il te plaît, répète-le à tes enfants, tes petits frères et sœurs. Mieux encore, partage cette vidéo au maximum parce qu'il faut absolument qu'on soit très nombreux à être au courant de ce genre de mensonges qui ont assez duré. Alors comme tu le vois, j'en ai tout plein d'autres mensonges qui attendent d'être révélés. Donc reste connecté à Afrique Résurrection et on se retrouve très prochainement pour une autre chronique.